imperturbable. Malgré les sirènes anti-aériennes, Joe Biden marche tranquillement aux côtés de Volodymyr Zelensky dans les rues de Kiev. The International Criminal Court has issued two warrants of arrest in the Ukraine situation. For Vladimir Putin, President of the Russian Federation, and for Maria Lvova-Belova, Commissioner of the Russian President for Children's Rights, for the alleged war crimes of deportation of children from Ukrainian-occupied territories into the Russian Federation. Cher Président Poutine, je vous appellerai toujours mon cher ami. Nous avons de nombreuses tâches et objectifs communs. La course contre la montre pour sauver des milliers d'habitants après la destruction d'un immense barrage en Ukraine, c'est la panique. Des évacuations sont en cours et des villages sont déjà submergés. Tout a commencé avec cette vidéo, hier après-midi tournée en Ukraine. Elle montrerait un camp de la milice Wagner, victime d'un bombardement. Des corps jonchent le sol. Les coupables, ce ne seraient pas les Ukrainiens, mais l'armée russe. C'est ce qu'affirme le chef des mercenaires Evgeny Prigogine. Alors il menace. Ceux qui ont frappé nos vies aujourd'hui, ainsi que des dizaines de milliers de vies russes, seront punis. Les troupes de Wagner progressent. Elles sont à Voronezh, à 300 km de Moscou, plus déterminées que jamais. Une grande confusion règne. Selon plusieurs témoins, des affrontements auraient éclaté. Wagner aurait abattu un hélicoptère et un avion de l'armée régulière. Le convoi aurait été bombardé depuis les airs, où les frappes se sont multipliées cet après-midi. Tous ceux qui se sont délibérément engagés sur la voie de la trahison, qui ont préparé une rébellion armée, se sont engagés sur la voie du chantage et des méthodes terroristes, subiront un châtiment inévitable. Les camions et véhicules de l'armée russe se déploient dans les rues de Moscou. La capitale russe, placée sous le régime d'opération antiterroriste, se barricade. Comme le montrent ces images de poids lourds au sud de la ville, prêts à empêcher l'entrée des mercenaires d'Evgeny Prigogine. Un crash aérien et des questions en Russie. La mort d'Evgeny Prigogine dans son avion hier près de Moscou suscite de nombreuses interrogations. À qui profite le décès du très controversé chef de la milice Wagner? Des commandos palestiniens du Hamas sur le sol israélien et des milliers de roquettes lancées depuis la bande de Gaza. Le Proche-Orient sombre à nouveau dans la guerre. Une attaque massive, frontale et coordonnée. Au sol, par la mer et dans les airs. Pourquoi les renseignements israéliens n'ont-ils rien su de ce plan de bataille sans doute préparé durant des mois? Nous sommes en guerre. Pas une opération, pas des rondes, mais en guerre. Scène inimaginable pour les habitants. Hier, un commando du Hamas en pick-up prend possession de cette rue. Sur cette route principale qui mène vers un kibboutz, des corps sans vie, des civils israéliens pris pour cible par des combattants du Hamas. Au moins 200 personnes, dont des enfants, des bébés, ont été massacrés dans deux kibboutz. C'est un carnage. Au moins 260 personnes sont mortes, abattues par les terroristes du Hamas lors de l'attaque du festival près de Gaza. À ma connaissance, depuis l'Holocauste, il n'y avait jamais eu autant de Juifs tués en une journée. Et depuis l'Holocauste, nous n'avions plus été témoins de scènes de femmes, d'enfants, de grands-parents et même de survivants de l'Holocauste chargés dans des camions et devenus captifs. Je suis désolé de devoir dire que nous avons un nombre indéterminé d'Israéliens détenus par le Hamas à Gaza, des civils et des militaires. Et cela va déterminer la suite de cette guerre. Scène de panique dans plusieurs quartiers de Gaza. Les frappes israéliennes sont massives. Des immeubles entiers rayés de la carte. Des civils qui fuient. Parmi les lieux touchés, une banque. Des bureaux du Hamas. Mais aussi cette école de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens. Au lever du jour, l'armée israélienne continue de bombarder minutieusement des immeubles qui sont liés au Hamas, d'après Israël. L'opération Glaive de fer, lancée depuis samedi, ne laisse aucun répit, ni à l'ennemi, ni à la population civile. Dans de nombreux pays musulmans, des milliers de personnes se sont réunies pour manifester et condamner les actions d'Israël. Cet homme
héroïque. Samedi, en plein assaut du Hamas, lors du festival de musique, cet Israélien musulman a sauvé 30 jeunes juifs. Il les a pris dans son minibus. Il a roulé comme un fou sous les tirs du Hamas. Tous ont reçu l'ordre d'évacuation lancé par Israël. Du ciel tombent ces tracts largués par l'État hébreu pour avertir les Gazaouis et leur demander de partir. Je voudrais que le monde comprenne une chose. C'est qu'on est des humains ici à Gaza. On ne mérite pas ce qui nous arrive. Voilà, on vit dans un monde de destruction. Ici, c'était un hôpital. Comme chaque fois, des enfants font partie des victimes. 3450 auraient été tués depuis le début de l'offensive israélienne. Plusieurs villes touchées, au nord, au centre et au sud de la bande de Gaza. Le sud, justement, où précisément l'armée israélienne a ordonné à la population de se déplacer pour une meilleure protection. À Rafah, les habitants crient leur colère. Ici, on se croyait en sécurité. Il y avait des enfants de 2, 3 et 5 ans. Étaient-ils des combattants? S'ils cherchent des combattants, ils sont là-bas, à la frontière. Les combats ont fait 1,5 million de déplacés, selon les Nations Unies. Plus de la moitié des hôpitaux de Gaza sont désormais hors d'état, conséquence des frappes israéliennes. Le principal, celui d'Al-Shifa, tente encore de porter assistance à la population. La trêve aura duré une semaine. À 7 heures ce matin, elle vole en éclats. Du nord au sud de la bande de Gaza, ces mêmes scènes de chaos, de rescapés sortis des décombres et des mères inconsolables. La guerre à Gaza se poursuivra avec ou sans soutien international. Réponse de Benjamin Netanyahou après le vote d'une résolution à l'ONU pour un cessez-le-feu humanitaire. Un nouveau bilan fait état d'au moins 20 000 morts dans l'enclave palestinienne depuis le début de cette guerre. La Turquie et la Syrie touchées par le tremblement de terre le plus meurtrier dans la région depuis 25 ans. Des vies détruites en une fraction de seconde. Oh mon Dieu, il y a des gens à l'intérieur. Sur cette animation de photos satellites, voici le glissement de deux blocs continentaux l'un contre l'autre. Et le résultat, l'apparition d'un canyon de 30 mètres de profondeur. Une fissure de 200 mètres de large, à la frontière entre la Turquie et la Syrie. Nous sommes sur une zone à risque sismique majeur, aux confins de trois plaques tectoniques. Plus de 30 000 morts, c'est le dernier bilan du séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie. L'ONU évoque aujourd'hui la possibilité de voir ce chiffre encore doubler dans les prochains jours. Au pied du minaret décapité par la secousse, un faubourg de Taroudan. Nous sommes à 80 km à l'est d'Agadir. Et voici un impressionnant tapis de morceaux de murs. Les maisons en terre typiques de l'Atlas se sont effondrées. À côté d'elles, les maisons semblent minuscules et bien fragiles. La tornade ressemble à un monstre tentaculaire qui détruit absolument tout sur son passage. La moitié des lacs et réservoirs du monde perdent de l'eau. Ils se vident, y compris dans les zones humides, en cause, selon une étude, le changement climatique et leur exploitation excessive par les humains. Ces derniers jours, on a enregistré 46 degrés au Texas, plus de 41 à Pékin, 46 également au Maroc et 8,7 degrés en Antarctique, du jamais vu. Le chaos et l'angoisse sur l'île grecque de Rhodes. 30 000 touristes ont dû fuir les incendies ces dernières 24 heures. La plus grande opération d'évacuation de l'histoire du pays. La Méditerranée voit rouge. Une centaine d'incendies font rage. En Grèce toujours, mais aussi en Algérie, en Tunisie, en Italie, en Croatie. Partout des flammes favorisées par des vents forts et des températures caniculaires. Fait extrêmement rare, les pompiers italiens sont obligés d'envoyer des canadairs à seulement quelques mètres des habitations. C'était une cité balnéaire de cartes postales. La capitale de l'île de Maui n'est plus qu'un champ de cendres. Sur plusieurs kilomètres carrés, des centaines de bâtiments détruits, des carcasses de voitures calcinées.
L'ère du réchauffement climatique est terminée, place à l'ère de l'ébullition mondiale. En quelques heures à peine, New York s'est retrouvée noyée dans une atmosphère cauchemardesque. Un voile jaune, puis orange. Conséquence de la fumée des incendies venus du Canada et qui masque désormais le haut des gratte-ciel. Des méga-feux. Jamais le Canada n'avait connu de tels incendies. Depuis le début de l'année, 18 millions d'hectares de forêts sont partis en fumée. Cela représente presque le tiers de la surface de la France. Après avoir dévasté la Bulgarie, la Grèce et la Turquie, la tempête Daniel a touché ce dimanche les côtes libyennes et a fait céder deux barrages près de Derna. Regardez, le barrage était ici, il n'y a plus que de la boue. En quelques secondes, cette rivière de boue emporte tout sur son passage. Ce pont devient impraticable, les voitures font demi-tour dans la précipitation. Le bilan des inondations en Libye causées par le passage de la tempête Daniel s'élève désormais à 11 300 morts. Plus de 10 000 personnes sont portées disparues. Les dégâts se concentrent principalement dans la ville de Derna, dans le nord-est du pays. Selon l'observatoire européen Copernicus, cet été a connu les températures mondiales les plus élevées jamais enregistrées et l'année 2023 sera sans doute la plus chaude depuis 120 000 ans. Des blocs de glace à perte de vue. Mais pour combien de temps encore? Face à l'augmentation des températures, la fonte des glaces de l'Antarctique se poursuit à vitesse grand V. Un phénomène désormais irréversible selon des chercheurs du British Antarctic Survey. Dans les Andes péruviennes, la calotte glaciaire de Cualcaya culmine à 5200 mètres. En 3 ans, elle a perdu 60 mètres. Acapulco n'a plus grand-chose de paradisiaque. L'ouragan Otis a tout dévasté. Depuis sa chambre d'hôtel... C'est pas possible. Ce touriste nous montre l'étendue des dégâts. C'est pas possible. Acapulco est détruite. Malgré les risques, il n'y a jamais eu autant de réfugiés et déplacés dans le monde. 110 millions selon le dernier rapport du Haut Commissariat de l'ONU. Arrivée massive de migrants sur l'île de Lampedusa au large de l'Italie. Plus de 6000 personnes ont débarqué en une seule journée. Les capacités d'accueil sont largement dépassées. Selon l'ONU, 186 000 personnes sont arrivées dans le sud de l'Europe via la Méditerranée depuis janvier. C'est 50% de plus que sur la même période l'an dernier. C'est trop, selon certains, mais c'est très peu par rapport aux 110 millions de déplacés et de réfugiés dans le monde. J'ai fait 6 ans en Libye, dont 2 ans en prison. Et j'ai été vendu à 3 reprises. Mais c'est comme ça. Souvent, tu t'en veux, quoi. Pourquoi tu as la peau noire? Tu te demandes pourquoi tu es né, quoi. Pourquoi tu es humain? Puisque ta couleur cause problème, mais pourquoi tu es humain? En Irlande, image, choc de ces scènes de chaos en plein cœur de Dublin. Les violences et les pillages se sont multipliés. Tout est parti en fait d'une rumeur concernant une violente attaque au couteau devant une école qui a fait 5 blessés, dont 3 enfants. L'auteur a été qualifié de migrant algérien sur les réseaux sociaux, ce qui a provoqué ensuite ce déchaînement de violence. Il y a eu au total 36 personnes interpellées. Les partisans de l'ancien président Jair Bolsonaro ont envahi le Congrès à Brasilia. Une scène qui rappelle évidemment l'assaut sur le Capitole lancé par les militants de Donald Trump. Les forces de l'ordre ont bouclé la zone. La population mondiale dirigée par un gouvernement autocratique est passée de la moitié de l'humanité en 2011 à 70% en 2021. Donald Trump est en état d'arrestation. L'ancien président américain comparé devant le tribunal pénal de New York. Une première dans l'histoire. Il est accusé dans une affaire de fraude liée à de l'argent versé en 2016 à une star du porno. L'intelligence artificielle pourrait conduire à la disparition de 300 millions d'emplois, selon une banque américaine. Dans des entrepôts d'IKEA, en Belgique ou en Allemagne, des drones réalisent déjà l'inventaire des stocks 12 fois plus vite que des humains. Changez tout, changez tout. Votre monde ne tient pas debout. Changez tout, changez tout, changez tout.